Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi aujourd'hui. Je suis Florie, fondatrice d'Endolove. Écoute, aujourd'hui, je voulais te partager quelques informations sur l'olfactothérapie, parce que c'est un domaine que je trouve passionnant et qui peut vraiment t'aider dans le cadre de l'endométriose et ou d'un parcours de PMA ou de FIV. Alors, qu'est-ce que c'est l'olfactothérapie? Et pourquoi ça peut nous aider dans le cadre de l'endométriose. En fait, l'olfactothérapie, c'est l'idée d'utiliser le pouvoir de l'olfaction, et notamment par l'intermédiaire des huiles essentielles, pour arriver à nous soutenir dans nos émotions ou à traverser nos émotions. Je ne sais pas si tu es familière avec les huiles essentielles, mais déjà c'est quelque chose qui est assez puissant quand on l'utilise en cutané, par exemple, pour soigner les douleurs de règles ou pour nous accompagner tout au long du cycle, notamment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on l'utilise en olfaction, en fait, le nerf olfactif, il est directement relié au cerveau des émotions. Le simple fait de sentir certaines huiles essentielles peut t'accompagner à traverser certaines étapes, certaines émotions, certaines difficultés dans ton quotidien. Donc, on va peut-être utiliser certaines huiles essentielles si on a besoin d'être plutôt apaisé parce qu'on est vraiment plutôt sur les nerfs, qu'on est stressé, etc. Il y a d'autres huiles essentielles qui vont nous aider pour nous tonifier quand on est en manque d'énergie, par exemple. Il y a des huiles essentielles qui peuvent nous aider sur la sphère du féminin. C'est vraiment très très large. C'est aussi passionnant que l'aromathérapie et d'utiliser les huiles essentielles en général. Je t'invite vraiment à t'intéresser à ce sujet, ce domaine qui est vraiment passionnant. Au cours des prochaines semaines, je vais faire plusieurs vidéos, plusieurs capsules pour te guider en fait dans cette exploration. J'espère te retrouver très vite sur Insta ou sur endolove.fr. À très bientôt, bye bye.